alliant sport et culture avec des chants de bravoure véhiculant la richesse culturelle du pays, la lutte avec frappe est une spécificité typiquement sénégalaise. Sport de contact, cette discipline intègre en plus la boxe, d'où l'appellation de lutte avec frappe. Issus de différentes couches sociales, nombreux parmi ces amateurs veulent aujourd'hui ressembler aux stars de la lutte sénégalaise. Tous les après-midi, je viens faire de la lutte dans ce centre. Je suis passionné par ce sport et je ne suis pas le seul. Beaucoup de jeunes comme moi veulent faire carrière dans cette discipline. C'est vrai que ce n'est pas facile pour un début, mais nous allons y arriver et devenir un jour comme ces grands lutteurs professionnels. La lutte est notre sport national, c'est notre symbole. Dans le monde entier, les sports les plus reconnus sont le football, le basket ou le tennis. Mais ici au Sénégal, la lutte avec frappe est le sport le plus populaire. Beaucoup de jeunes lutteurs ont débuté timidement et sont devenus aujourd'hui de grandes figures de la lutte sénégalaise. C'est vraiment un sport qui offre beaucoup d'opportunités. Ndakaru, surnommé Boy Dakar, fait partie des jeunes lutteurs sénégalais professionnels qui nourrissent des rêves de succès. Tous les matins, il se rend dans un centre d'entraînement pour développer ses performances. Son souhait est de rendre fier sa famille qui lui adresse régulièrement des prières de bénédiction avant chaque combat. Pendant les combats de lutte avec frappe, il est formellement interdit de saisir moins de 3 doigts de son adversaire au risque de se faire sanctionner. Malgré son caractère parfois violent, ce sport est loin d'intimider le jeune Ndakaru. Il espère un jour devenir comme ces superstars de la lutte sénégalaise qui perçoivent d'importants cachets. Je crois fermement qu'un jour je serai le meilleur lutteur de tout le Sénégal. Je me suis entraîné très dur pour pouvoir remporter cette compétition. Mon souhait est de devenir riche afin de subvenir aux besoins de ma famille qui m'a toujours soutenu moralement et dans la prière. La lutte me donne de l'espoir. Les combats de lutte au Sénégal font l'objet d'une intense médiatisation et les grands champions sont des célébrités nationales et internationales. Les rencontres ont lieu tout au long de l'année, généralement les samedis ou les dimanches. Tous les grands combats de lutte au Sénégal sont marqués par des cérémonies rituelles et des attroupements spectaculaires. Pour les adeptes de ce sport, cette tradition donne à l'événement toute sa richesse et sa vivacité. Christina Niaouré, CGTN Français, Dakar, Sénégal.